Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui comment préparer son contrôle technique. Pour avoir plus de chances de réussir le contrôle technique, il est conseillé de faire une préparation à domicile. Donc je vais vous donner quelques conseils. Donc déjà, les lumières. Il faut qu'elles marchent. Il faut vérifier les rétroviseurs. Il faut aussi vérifier si les voyants ne sont pas défectueux. Regardez si tous les voyants s'allument et s'il n'y a aucun voyant qui indique une malfaisance. Regardez si vos essuie-glaces ne sont pas usés. Mais aussi s'il n'y a pas un impact de plus de 30 cm sur votre pare-brise. Regardez si vos pneus sont en bon état. Regardez à l'aide de ce témoin. Il faut qu'il y ait une marge entre le témoin et la fin du pneu. Ne pas regarder là où il n'y a pas de témoin. Il faut bien regarder là où il y a le témoin. Mais bien regarder si vos disques aussi ne sont pas usés, ainsi que les plaquettes de frein. Un disque usé se repère quand on passe le doigt dessus, s'il n'y a pas de ondulation. Et les plaquettes se regardent à l'aspect, si elles sont minces ou pas. Donc voilà, c'était comment préparer son contrôle technique. Merci, à bientôt.